Bon les mecs, aujourd'hui l'heure est grave. Les kickers sont en train d'envahir Bloxfoot. Comme ceux qui se donnent de l'XP ou alors qui font spawn des fruits du ciel. Ah mais je parle même pas de ceux qui utilisent un script pour bounty hunt hein. Ah mais les gars, je vais vous dire un secret, ils font pas ça par flemme hein. Ils font ça parce que c'est des vrais noobards. Alors bon, toi t'es un vrai gars, qui a la famille, tu t'abonnes, tu mets la cloche pour en être mettons 150 000. Et sur ce, c'est qui part. Du coup on va commencer avec le premier cheat. Il permet d'avoir un auto level. Bon du coup, comment ce truc fonctionne? Il est dans le sien. Mais frère, wesh, qu'est-ce qu'il nous a ouvert là? Même la NASA son chocobar de son menu. Et il fait quoi? C'est reset, ok. Et même en étant reset, il continue de prendre des levels. Oh mais ça, j'ai juré frère, c'est de l'abus hein. Le bug, il est en train de monter level max, alors qu'il est à peine si hein. Ce qui veut dire qu'il a même pas à faire toutes les vieilles quêtes chiantes pour passer level max. Bon, en même temps, ouais, c'est un peu le principe d'un cheat quoi. Hein. Bon les gars, on va se le dire, entre nous, c'est plutôt pas mal comme truc. Comment ça mon ref? Mais bon les gars, le cheat c'est pas bien, c'est haram dans les règles de Roblox. Et je devrais même dire dans les règles de Roblox tout court. Alors bon, si toi t'es un cheater là, que tu te sens visé, tu devrais avoir honte. Bon bah les gars, on passe au prochain cheat, c'est Tipa. Et maintenant pour celui-ci, ça va être l'auto-farmer. Oh non mais les gars, ça, entre nous, qui n'est jamais tombé contre un auto-farmer? Oui les gars, personne, parce qu'il y en a dans chaque serveur. Ces mecs n'ont pas de vie frère. Je peux vous dire que même Lester dans GTA les gars, il met hors d'heure. On se regarde ça, le mec il nous dit quoi? Qu'il est en public serveur. Ok, il se balade. Guettez-moi le. Jurez, c'est tous les mêmes, frère. Ils se mettent au-dessus, là, ils spam patate. Ils allument les mobs. Mais wesh, guettez-moi ça. Ah, mais par contre, les gars, il y a un truc qui va pas, là. Parce que dans un serveur, on est censé être 12. Comment ça, ils sont 100 000? Ah, mais les gars, quand je vous disais qu'ils étaient en train de nous envahir, regardez ça, hein. C'est en public serveur, et le mec, il abuse pas, quoi. Il s'est pas dosé, hein. Ah, bah oui, parce que si moi, les gars, je vois ça, je change de serveur, je taille. J'aurais pas envie de me faire goumer par une équipe de skin bacon, hein. Bon, bah, allez, prochain cheat, c'est Tipa. Et maintenant, pour le troisième, les gars, ça va être la pluie de fruits. Ah, mais sérieusement, les gars, entre nous, entre BG, qui n'a jamais rêvé à voir ça dans son serveur. Bon mais du coup il a fait la commande sans rien fruit. Non mais regardez-moi ça. Oh là là, des Bouddhas, des Rumble, des Shadows. Est-ce qu'il n'y a pas un dragon ici? Mais oui, il y a un dragon. Il les met dans son inventaire. J'ai juré c'est trop cheaté. Et là, il est en train de graille le fruit du dragon. Et oui, ça l'a mis ici. Alors bon, je sais pas si c'est un Golemon les gars, mais il faut avoir beaucoup de storage pour ça. Hein. Le frère, il a même pas de storage qu'il est obligé de graille tous les fruits qu'il trouve par terre. Il est con quoi. Et en plus de ça, c'est un français. Guettez comment il s'appelle. Bloxfruit le Goth. Oh bah toi t'es tout sauf une chèvre. À la limite, t'es un chien de la casse qui a pas de classe hein. Il est sérieux hein? Alors bon, s'il y a la CIA là, les admins qui passent par ici, bannissez-le hein. Ah non mais moi je sais pas comment vous allez faire pour le retrouver. D'ailleurs, je sais même pas comment on fait. Et vous allez le retrouver, vous inquiétez pas. Et quand vous l'avez retrouvé, mettez-le dans une cave, enfermez-le, et vous lui mettrez cette vidéo juste devant lui toute sa vie. Ah bah les gars, je peux vous dire hein, que là, même Kim Jong-un est choc-barre de mes idées hein. Bah parce que bon lui, il a beau être sévère, les gars, il est pas plus sévère que moi. Ça. Ouais, ça doit être ça. Bon bah les gars, on passe au prochain cheat, c'est Tipa. Du coup pour celui-ci, ça va être un auto-raid. Comment vous dire que moi les gars, j'ai pas besoin de ça quoi. Ben oui, quand tu vois mon nombre de frags, ben tu comprends plus vite comment j'ai eu tous ces muscles hein. Guettez-moi les dorsaux frère, je peux porter 24 acclis derrière. Oh ça là c'est fou, ouais, on gère personne, on est des gros geeks. Pour moi s'il devait y avoir un dicton dans la vie, c'est Life is Roblox. Voilà, j'aime bien. Ah bah oui les gars, parce que sans Roblox, tu te fais yesh quoi. Bon du coup, pour ce cheat, il y a encore le même logo. Non mais frère, c'est quoi, c'est Anonymous de Wish. Il reste au milieu, il les ramène sur lui. Non mais frère, comment il fait le raid? Parce que si on remarque bien, les mobs, ils spawnent direct et ils meurent. Et là, il passe à l'île numéro 2. Et forcément les gars, il a même pas besoin de bouger. Et par contre, hein, j'ai toujours pas compris comment il tuait les mobs. Parce que dès qu'ils spawnent, les mobs, ils vont sous la terre. Oh non mais attendez, il a ouvert quoi là? Tu crois qu'on t'a pas vu? Coca, non mais c'est quoi ça? Ne me dites pas qu'il y a un business de drogue sur Bloxfruit hein. Parce que ça, à la limite, les gars, vous le retrouvez sur les cités de France RP hein. Bon les gars, bien sûr, ça existe pas. À la limite, il y a Brooke qui avait un RP, mais là-bas, il y a que des neuils. Tu mens. Et juste en dessous, on a un kit PVP. Ah mais les gars, on va en voir un par la suite de la vidéo. Quand vous allez voir ça, vous allez être choc bar. Non mais frère, on a pas le même jeu. Guettez-moi ça, il y a des commandes qui apparaissent à l'écran. Et en plus de ça, il manque un S à boss. Bon ça les gars, c'est sûrement la langue de son jeu qui est chelou hein. Et le boss, il est instant mort dès qu'il a spawn. Oh mais j'ai capté. Les mobs, ils les rapprochent même pas sur lui. Dès qu'il spawn, il meurt. Donc le bug, il a juste à lancer le raid. Et tout le monde meurt dès qu'il spawn. Alors bon, de toute façon les gars, cheat ou pas cheat, j'ai toujours plus de frags que lui hein. Et pour ça, il suffit simplement d'avoir une main musclée. Ah mais de toute façon les gars, pour l'entraîner, il y a pas de secret hein. Enfin si, y en a un quoi, et c'est le mien. Il suffit simplement d'être un nain, hein. C'est du PVP Minecraft. Ah mais je vous le dis les gars, hein, qu'à force de jitter click à l'époque, j'ai entraîné ma main.
Après, bon, le gars, il y a d'autres façons pour muscler sa main. Hein. Donc, t'es un mec bizarre, toi. Mais bon, les gars, moi, je suis pas docteur, je suis pas scientifique, j'y connais absolument rien dans le corps humain. Bon, à la limite, demande à ton prof d'SVT, lui, il sera peut-être mieux que moi. Hein. Bon, bah, allez, prochain cheat, c'est pas. Et même pour celui-ci, ça va être une auto V4. Bon, bah, du coup, on se lance ça. Comment il s'y prend? D'abord, il est obligé de faire le système de la porte, d'activer la V3. Oh là là là, qu'est-ce qu'il vient de nous activer là? Il kill tous les mobs d'un coup. Mais wesh, guettez ça, frère. Oh là là, mais c'est quoi cette dinguerie? Les mobs ont même pas eu le temps de spawn, que bah, il a déjà fini. Enable kill player. Oh là là, mais non, les pauvres. À leur place, comment j'aurais tellement crié? Ils se sont fait presque one shot. Les pauvres bugs, ils ont galéré à faire le trial. Ils se font kill pour un vieux cheater à la fin. Mais regardez-moi ça, il se téléporte, il se fait même plus yesh à marcher. Et là, forcément, il y a l'auto-gear. Il l'a posé. Et il a mis le premier. Voilà, mais dis pas Gigi, ce frère. T'es un cheater qui pue la mort. En plus, il vient de gâcher le trial à de pauvres noobards. Il pense qu'on va le féliciter. Alors bon, là, faut avoir un de ses culots pour se dire GG à soi-même. Hein. Bon, bah allez, on passe au prochain cheat. C'est pas. Et pour celui-ci, ça serait un auto-heal mirage. Oh, mais j'ai juré que même Zion l'a même pas la commande. Et que même le fondateur du jeu était même pas au courant que ça existait. Hein. Bon, bah c'est parti. On se lance ça. Il se téléporte directement. Et il y a le gear qui s'affiche à l'écran. Il va activer quelque chose sur la full moon. Qu'est-ce que c'est? L'auto-lock caméra. Non, mes frères. Le bug. Au lieu de mettre sa caméra sur la full moon, il a carrément bloqué sa caméra avec un cheat dessus. Je suis désolé quoi, mais le gars, niveau flémentise, tu peux pas faire pire. Il active la V3. Non mais il se passe rien frère, il est Bluetooth quoi. Mais frère, faut attendre la full moon. Mais non. À quel moment le miroir fractal a reflété? D'après mes souvenirs frère, ça se faisait qu'au moment de la full moon ça. Ah mais là je peux vous dire hein, que je l'aurais jamais trouvé ici. Frère, depuis quand le gear il spawn à cet endroit? Et du coup forcément, il peut avoir accès au temple du temps et faire sa V4. Bon, les gars, je vais être d'accord que c'est galère de faire le gear. Mais bon, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. En plus de ça, j'ai pas vraiment les yeux qui m'aident avec. Oui, bon, ça, les gars, c'est pour voir un 360 degrés sur les jeux. C'est meilleur qu'un casque VR à 4000 balles de chapelle. Bon, c'est une sorte de Byakugan, quoi, mais naturel. Bon, bah, les mecs, on passe au prochain cheat. C'est pas. Et maintenant, pour le suivant, ça serait un auto-récupéreur de fruits. T'es là, frère. T'es un fruit masterclass. Tu le poses. Et d'un coup, t'es un vieux cheater qui te l'attrape. Les gars, faut être un grand dingo pour poser le fruit par terre en sort public. Et non, je parle pas du TikTok. Grand dingo quoi. Ouais, en gros, faut pas être un grand fou frère, t'as capté, ça y est. Et là du coup, si on se regarde ça, et lui aussi, il a le fruit à l'écran à 6000 mètres. Et là, ce qu'il va faire. Non mais wesh, regardez-moi ce cheat. Bon là, il vient d'activer un truc, je sais même pas ce que c'est. Et il peut se téléporter directement dessus. Le nombre de fois que ça m'est arrivé, ça m'étonnerait même pas que je passe dans une vidéo cheater. Hein. Il est à 200 mètres. Qu'est-ce que ça va être? Le fruit? Ok, c'est un fruit de la bombe. Guettez-moi comme il y a le seum. Ah bah oui, parce que les gars, il a trop cru que cheater, ça allait lui rajouter de la chance. Alors bon les gars, ceux qui font ça quoi, vous êtes vraiment, mais vraiment de mes compas de vie. Hein. Ouais, t'as trop la rage. Les mecs comme moi là, qui ont payé le free notifier 4000 Robux. Non, j'abuse, 2700. Mais bon les gars, ça fait cher quand même. C'est 27 balles. Et vous là, vous avez un cheat rempli de malware, de virus, et vous volez nos fruits. J'espère que vous allez choper la variole du singe. Ah mais les gars, je peux pas leur souhaiter pire que ça. Hein. Bon bah allez les gars, prochain cheat, c'est pas. Et maintenant pour le prochain, ça va être un auto bounty hunter. Ah mais encore une fois les gars, c'est des loupards. À votre avis, pourquoi ils cheat? Bah parce que tout simplement ils se laissent PVP une fois, ils ont vu qu'ils se sont fait arracher, ils ont dit j'abandonne. Et eux les gars, c'est pas de vrai Joe. Parce que bon, un vrai Joe dans la vie les gars, il lâche jamais rien. Et d'ailleurs c'est le secret un peu quoi, faut jamais rien lâcher, faut persévérer. Et là du coup si on se regarde ça, il attaque même les gens en zone safe. Non mais frère, à quel moment c'est possible? J'ai juré ça normalement les gars, c'est une zone où tu ne prends zéro de mage. Exactement, ouais. Et lui, il est là, il est en train de les monter en l'air. Il utilise la V3, la Dark Blade, il décide le combat. Kitsune, non mais il arrive même pas à le kill. Regardez-moi le combat, il galère. Même avec un cheat, il est nul, frère. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il cheat, hein. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Et il se téléporte directement sur le suivant. Mais wesh, c'est quoi ça? Comme ça, le mec, il ne peut plus run. Et là, il est en train de le démonter, non mais wesh. En plus, il utilise un cheat pour tuer des farmers, frère. C'est les mecs les plus nuls. Il y a lui. Oh là. Frère, il va se faire kill, le cheater. Oh, mais non, il a kill avant. Mais parce que là, les gars, s'il se faisait kill, c'était la tour officielle. Hein. Bon, bah allez, prochain cheat, c'est pas. Et maintenant, pour celui-ci, c'est Noto Léviathan. Ah, mais les gars, quand je vous dis que je crois que j'ai battu le record du monde du Léviathan le plus long, eh ben c'est possible. J'ai mis 7 heures en une journée pour faire spawn la Frozen Gate. Oui, en gros, c'est ce qui te permet quoi de faire spawn Léviathan. Les gars, on va voir comment lui s'y prend. Déjà, il est dans les airs avec un bateau. Mais wesh, il a un truc spécial pour les events des mers. Et lui, il est là. Il fait voler son bateau au lieu de le faire marcher sur l'eau. Alors frère, je sais pas où t'as vu des hélices là, mais il y en a pas. Hein. Ben oui, un bateau par principe, il va dans l'eau quoi. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans bateau, ben il y a le mot eau. Et du coup, ce qui veut dire qu'il peut vesquer les terror sharks. Eh ben les gars, ce qui est normalement impossible. Oh là 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 là, mais guettez-moi ça, frère. À peine 30 secondes.
secondes, il a réussi à faire spawn la Frozen Dimension. Ah mais prendre, attendez, ne me dites pas qu'il est Gaulmont et qu'il est y aller tout seul, parce que si c'est tout seul, tu peux pas. Et non, ils sont plusieurs. Ils sont venus en bande organisée de cheaters. Ah mais là, j'ai juré, ça se fait hop, frère. Et wesh, ils ont bugué. Ils se sont re-téléportés sur Ticket Post. Et en plus de ça, sans le Leviathan Earth. Et non, finalement, il s'est re-TP ici. Alors mon frère, au lieu de payer des cheats, paye-toi une connexion. Hein, parce que je suis sûr que même l'ADSL avec Free, les gars, fait mieux. Alors bon, ne cheatez pas, les gars, c'est mal. Et à la place, utilisez plutôt les techniques de pro que je vous mets à l'écran, ça sera largement meilleur. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Maliko, ciao, ciao.